De nouveaux défis sont dispo pour Sly et Bentley. Dans cet entraînement, veux-tu essayer de relever les nouveaux défis? Je vais les faire pour vous montrer. Et je sais déjà comment faut jouer avec ces persos donc. Désolé pour le bruit de papier, je suis en train de manger un petit peu à côté parce que j'ai faim. Merde, je vais trop loin. Si tu te retrouves coincé, essaie de grimper pour te sortir de là. J'ai compris. Appuie sur la touche cercle quand tu es près du tuyau pour t'accrocher et grimper. J'adore les tuyaux. C'est bon. C'est clair qu'ils sont super pratiques. N'oublie pas les crochets au mur. Comment oublier ces merveilleux crochets? Appuie sur la touche cercle pour t'accrocher. Bien sûr. Et pour te décrocher, pose le joystick analogique gauche vers le bas avant de sauter. Essaie de passer au-dessus du mur. C'est ça, j'abandonne. Tu as réussi à relever tous mes défis. Hey, fais pas la tête. J'ai eu du mal avec les crochets au mur. Tout était supposé être difficile. Mais tu as montré que tu savais te débrouiller. Petite astuce. En même temps, des auras bleues apparaissent. Le nombre de fois où je l'ai fait le jeu, si je m'étais planté. Oui, c'est vrai. Je m'étais planté là-dessus, je vous jure. Ah oui. Bien, Bentley. Laisse-moi essayer. Pour maintenir notre super train de vie, on doit toujours avoir un peu de liquide sur nous. J'ai pigé. La plupart des gardes sont assez naïfs pour avoir les poches pleines. Tout à fait. Tu peux leur faire les poches en te plaçant discrètement derrière eux et en appuyant sur la touche cercle. Ce gars a l'air d'avoir un butin. Si je lui vole, tu pourras tout revendre et obtenir du liquide en échange. C'est vrai. Regarde si la poche du garde émet une lumière. Ça t'indique qu'elle est pleine. Essaie de tout lui prendre sans te faire repérer. Trop facile. Hop, et voilà. Bon, on en a fini avec ce gars-là. Ça ne sera pas toujours facile. Les gardes sont souvent en mouvement. Tant que je ne leur rentre pas dedans, ça devrait aller. Très bien, beau parleur. Et c'est avec ce gars-là. Pas de problème. Hop. Voilà. Je confirme. Il y a des gardes auxquels je n'ai pas trop envie de me frotter. Tu ne vas pas te la jouer. Faites l'amour, pas la guerre. Ben, pas vraiment. J'ai eu peur. Tu sais, il n'y a aucune honte à fuir un combat pour rester en vie. Appuie sur la touche R1 pour sprinter. Trop facile. On va voir. Je vais lancer ce garde sur toi et tu vas devoir courir pour le sommet. Hé, hey, attends. Prêt, feu, partez. Il est passé où? Et voilà, il m'a déjà perdu. Miskin! Bien joué, Sly! Mais l'inconvénient quand tu cours, c'est que tu fais trop de bruit. Si tu passes près d'un garde, t'es sûr de te faire repérer? Mais si je suis déjà en train de courir, je n'ai qu'à continuer. Bien vu! Que dis-tu de cela? Tu as 6 secondes pour atteindre ce point de passage en courant. Puis tu dois échapper aux gardes s'ils t'entendent. Ça roule. Bref, partez! Et voilà. Pourquoi t'arrêtes pas de lancer des gardes à mes trousses? Tu pourrais aussi te débarrasser d'eux. Ah là, tu m'intéresses. Si le garde ne t'a pas vu,
Tu peux te faufiler discrètement derrière lui. Sois plus attentif, car c'est compliqué. Je t'écoute, tu me parles d'envoyer valser les gardes. Bon, glisse-toi derrière lui, appuie sur la touche triangle pour l'envoyer en l'air, puis sur la touche carré pour l'assommer. Une attaque discrète, cool. Alors, appuie sur la touche triangle pour l'envoyer valser. Ah, discrète, pas vraiment, non. Touche carré pour l'assommer. Tout à fait, tu n'as plus qu'à lui faire sa fête. Malheureusement, ce coup fait du bruit. Si tu l'exécutes près d'un autre garde, tu te fais repérer. Facile. Tu t'occupes du premier gars, tu te caches, et quand le deuxième arrive, tu lui donnes un gros coup par derrière. Débarrasse-toi de ces deux gardes sans te faire prendre. Facile. Voilà. Je plains les gardes qui croiseront ton chemin. Le meilleur pour la fin. Tu vois ce bateau suspendu au-dessus de ce garde sans défense? Oui. T'as envie de lui faire tomber dessus? Oh oui. Ces boutons te permettent de détacher le bateau. Vérifie si le garde est sous son ombre devant toi pour, tu sais, l'assommer. Cherche ces boutons disséminés dans la ville. Cet endroit est bourré de vieilles carcasses. T'as pigé ? Facile, facile, facile. Trop facile, trop facile. Comme tu le sais, on a parfois besoin de photos de reconnaissance pour préparer un coup. Ah, la photo de reconnaissance. Ce héros de l'ombre. J'ai équipé ton binocom d'un appareil photo. Pousse le joystick. Va y arriver, Winter, avec la musique. Chapeau, Bentley. Ce truc est une petite merveille. Le joystick analogique gauche permet de viser et le joystick analogique droit de zoomer. C'est simple. Oh, merci. Essaie de prendre une bonne photo de cette chaise suspendue au plafond. Tu devras peut-être zoomer un peu. Appuie sur la touche R1 pour prendre la photo. Bien sûr, ce ne sera pas toujours aussi facile. Il faudra parfois chercher un meilleur point de vue. Ça devrait pas être trop compliqué. La cible peut aussi se déplacer et te rendre la tâche beaucoup plus difficile. Oh, ça ira. L'important est que j'arrive à zoomer rapidement. Faisons un petit test. Prends une photo de chacun de ces gardes sans te faire repérer. Hop. Et voilà. Et voilà, Bentley. Quelques jolis pin-up pour notre réfrigérateur. Magnifique. Oh, terrifiant. Tu es sérieux? Non, mais tu t'en es bien sorti avec l'appareil photo du binocom. Bien joué. Hop. Et maintenant Bentley. Très bien Bentley. Les choses peuvent se corser sur le terrain. Il faut que tu sois prêt. Toujours prêt, comme les scouts. Mon fauteuil roulant est au top. Tant mieux alors. En tant qu'expert démolisseur, tu devras manier ces bombes à la perfection. Pas de problème. Je dois juste maintenir la touche triangle enfoncée. Et voilà le bébé. Ok, essaie de lâcher une bombe sur cette caisse là-bas. De la pyrotechnie, mais que fais-tu contre les gardes? Le sommeil des gardes n'a pas de secret pour moi. Aucun ne me résiste. Montre-moi ce dont tu es capable. Bien joué. Mais que fais-tu s'il est réveillé? Je les endors aussi. Ma chaise est équipée d'un lance-fléchette anesthésiante. Dernier cri. Je l'ai alors tu n'as qu'à cliquer sur le joystick analogique droit pour l'utiliser.
et j'appuie sur la touche R1 pour tirer. T'as une fonction zoom sur ce truc? Ça peut être cool de tirer à distance. Ouais, il faut se servir du joystick analogique droit. Essaie d'éliminer ce garde. Tu devras peut-être zoomer un peu, il est assez loin. Joli. Va là-bas maintenant. Uniquement, j'ai même pas besoin. Bravo, Bentley. Tu t'en sors très bien. Et si les gardes sont en mouvement? Avec un zoom et des nerfs d'acier, je peux tout affronter. Ce fauteuil est vraiment cool. T'as d'autres gadgets à me montrer? Oh oui, j'en ai encore. La canne à poche, ou CAP, en abrégé. Une canne à pêche avec un aimant? Astucieux, hein? Elle fonctionne par défaut avec la touche L1. Et tu peux faire les poches avec ça? Je dois juste maintenir la touche L1 enfoncée, me glisser derrière le... Ouais, en sachant qu'un aimant, ça prend que... les métaux aimantés, l'or n'est pas aimanté. Et c'est avec ce type là-bas. Et les pièces en général ne sont pas aimantées par... Elle dans de 1 à 5 centimes en France. Ah. Ok, il s'est bien fait avoir. Ta technique de vol m'impressionne. Mais comment fais-tu si la personne est en mouvement? Laisse-moi te montrer. Je maintiens la touche L1 enfoncée, j'attache et je tire. Un jeu d'enfant. Et voilà. Ce fauteuil est une petite merveille. Tu as réussi à concentrer toute cette technologie dans un si petit objet. Et ouais. On a fini ici. Il est temps de sortir et de lancer l'opération. Wow. Pouh. Oh, comment il s'est fait éjecter le pauvre Sly. Hop, du coup, on va continuer. Encore assez pour acheter un bonus. Donc, on va d'abord faire la quête de Sly. Pardon. Hop. Merci. Alors, dans les profondeurs, filature d'Octavio. On va d'abord filer Octavio. Et t'as la popoche qui... Oh, t'as la popoche qui brille, toi. À moi ton objet, montre en or, parfait ça. Ah putain, il s'est pas accroché le con. On va passer là. Hop, yolo. On va faire la filature d'Octavio. Oh t'es jeune. Hop.
Yolo. Tiens-toi prêt, Sly. J'ai intercepté un message radio d'un des hommes d'Octavio. Il se dirige vers ta position. Génial. Tu veux que je m'occupe de lui? Non, il faut qu'on prouve qu'il est derrière l'affaire du goudron. Avec quelques promettantes, on devrait pouvoir aider les flics à l'arrêter et mettre fin à ce désastre. J'aurais jamais pensé aider les flics un jour. Vraiment? Tu as pourtant toujours l'air pressé d'aider Fox. Oui, mais bon, elle est différente. Le représentant de la loi moyen n'est pas autant... comment dire... attirant. Bouge plus, il arrive. C'est ignoble. Prends une photo avant qu'il ait terminé, c'est parfait. Utilise ton binocom pour faire des photos. Excellent! Encore une ou deux, et ce type ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Enfin, suis-le. Il va peut-être encore aller polluer ailleurs. T'inquiète pas, je le lâche pas. Il remet ça. Prends une photo. Pauvre petits oiseaux. C'est un vrai piège pour eux maintenant. Il repart encore. Olé, tan tra ta 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 tan. Ah putain, j'avais pas vu qu'il y avait un chat. Il est mignon. Imagine, embourbé une magnifique roue à ourdes dans du goudron. Monstrueux. Hop, un mot objet. What? Comment il a fait pour me voir? Tranquille, sans problème. On va vouloir en repère. Hello.
fait quelque chose. Mais quoi? Je n'arrive pas à y croire. Il a rempli cet aquarium de goudron. Tous ces pauvres poissons. Je vous jure, je fais pas exprès hein, de refaire les répliques. Hein. Je vous promets, je fais pas exprès. Un chat avec de la thune. C'est un Khajiit, je reconnais. Pour la thune, mon ref. Ouais, c'est moi. Passe-moi l'ingénieur. Sly, essaie de t'accrocher à la voiture d'Octavio. On devrait réussir à écouter cette conversation. D'après l'expression de son visage, ça a l'air important. Écoute, Giovanni, cette grande roue était une bonne idée. Elle pompe le goudron rapidement et personne ne s'en aperçoit. Mais quand même, ça va suffire pour que tout soit prêt pour mon récital? Bella. Quand les gens viendront me voir chanter, je veux être sûr qu'ils continuent de venir. Même s'ils n'en ont pas. Ah, hein. D'une façon ou d'une autre, je leur ferai aimer l'opéra. Ok. Un jour, je vous promets, hein, en live, je vais trouver des vidéos de doublage et je vous jure que je vais en faire. Âme sensible s'abstenir, vous êtes sur le point de découvrir le côté obscur de l'électricité. Tuez les pauvres petits poissons innocents. Ça devrait le faire. Je vous le jure, je fais pas exprès, j'ai pas été mordu.